Bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui un petit atelier sur une Clio 1.9D rupture du cap de frein à main. Donc je pense pas que c'est le cap de frein à main vu les pièces qu'il a récupéré le client. Je vais vous faire voir de suite. Je pense plutôt que c'est la liaison entre la poignée de frein à main et les câbles. Donc on se retrouve tout de suite sur le véhicule pour faire le point. Donc voilà. Donc pour moi c'est au niveau de la liaison du câble que ça a cassé parce que la personne m'a ramené. M'a ramené ceci, donc je pense que c'est pas les câbles, parce que si ça aurait été les câbles, on aurait ici soit les câbles qui seraient restés, mais la pièce elle ne serait pas tombée, elle serait restée sur le véhicule. Donc je vais aller voir de suite ça en dessous. On va démonter la console ici d'habitacle. Donc c'est deux petites vis qui sont de chaque côté du plastique, et bah c'est parti tout simplement. Donc voilà, pour ce faire, il vous faudra des clés Torx ou clés Renault. Oh, c'est pas celui-là, c'est la petite. Donc ça sera du T25. Alors même plus petit que T25, donc T20. Une, la deuxième, alors à l'envers c'est pas évident, hop, on tire et on déboîte. Est-ce qu'on voit quelque chose ici? Donc apparemment il y aurait bien un câble sous ce cache. Je ne sais pas du tout comment ça s'enlève. Ah ça, bah, il est juste emboîté. Donc voilà. Donc on voit bien que le câble ici passe en arc de cercle au niveau du levier de frein à main. Donc avant de démonter, je vais aller vérifier ce qui reste en dessous et on va faire le point. On se retrouve en dessous du véhicule. A tout de suite. Donc voilà, nous voici en dessous du véhicule. Donc comme on peut se rendre compte, c'est les deux câbles de frein à main sont bien là, à l'arrière. Donc c'est la partie avant qui nous a lâché. Cassé net. Donc on va voir pour déposer par le dessus le système de levier de frein à main. Voilà. Bon, du coup, on repart au-dessus. Voilà, nous voici de retour dans l'habitacle, donc il ne nous reste plus qu'à démonter les vis qui maintiennent le levier. Donc deux vis de 10, rien de compliqué, vraiment à la portée de tout le monde. Alors une. Et voilà. Bon, on se retrouve à l'atelier, je vais vous montrer ça en détail. Voilà, voilà. Bon, je vais démonter la vis. Ce que j'ai peur, c'est que ça soit un ensemble complet, qu'on n'ait pas le câble. Donc après, j'irai voir chez mon ami Autojo pour voir si on peut avoir que la partie avant. Bah, j'espère, je pense que c'est fait pour quand même. Ça serait bête. Donc je pense que ça se termine ici avec un filetage pour pouvoir faire le réglage du frein à main quand il s'use. Enfin, quand les garnitures restent s'usent. Quoi que non, le rattrapage se fait sur cette pièce. Ouais, non, le rattrapage d'usure se fait ici. Donc sûrement une goupille ou. Enfin. Ouais, peut-être une goupille, il faudrait que je vois. J'espère trouver la vue éclatée.
Ah oui, d'accord. C'est une agrafe qui reste bloquée. Je peux desserrer pendant des heures. On a été déjà démonté. Voilà. On voit sous le caoutchouc comment c'est fait. Pas trop plié dessus. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. Je vais mettre plus par ici. Ouais, c'est pas évident. On commence vraiment à me demander si on va pouvoir remplacer que cette pièce. Donc encore ici, une pas trop pliée. Voilà. Voilà. Bon. Et donc ça se retire dans ce sens là. Même pas. J'ai vraiment un doute sur sur le fait qu'on va pouvoir remplacer ce câble là, parce que j'ai l'impression que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça va être dur de. Si ici on a une pièce, ça va être dur de faire passer à travers. Donc ben voilà, on va stopper là la vidéo. Je vais aller voir chez mon ami Jory avec les références du véhicule si je peux avoir juste le premier câble. Et on se retrouvera après commande. Voilà. Ou si je peux pas trouver, bon, ben, on mettra de la pièce d'occasion. Hello les amis, donc nous voici de retour sur le tuto atelier pour la réparation du câble de frein à main qu'on avait vu sur la Clio. Donc après bien des recherches, sachez que sur ce modèle-là à câble, le câble n'est pas vendu à part. Donc, oui, c'est comme ça. Donc, pour changer un câble cassé sur le levier de frein à main, il vous faudra remplacer le levier complet. Donc sachez que le modèle à câble est pas assez rare, mais assez demandé parce que c'est le gros souci. Donc j'ai eu des difficultés à en trouver un. J'en ai trouvé une casse pour 20 balles. Donc je vais en remettre un d'occasion. Donc tout simplement. Donc bah, en premier temps, j'ai commencé déjà à dépoussiérer un peu vu qu'il était un peu plus triste que le mien. Et puis mettre un peu de W40 sur tout ce qui est câblage et pour étringlerie pour qu'il dure le plus longtemps possible après ça. Donc dans un premier temps, on va desserrer au maximum la vis de tendage avec une clé de 10 pour dire de pouvoir avoir la plus de course possible pour accrocher les câbles de frein à main sur par les ergots. Donc je prends une douille de 10 et on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est parti. On va détendre le câble au maximum. On n'a pas peur d'abuser du W40. Voilà. Donc bah, on se retrouve sur le véhicule pour le repositionnement. Alors bah, rien de compliqué. Hein. Hop. On va dire que plus dur, ça sera en dessous du véhicule. Voilà, là c'est que deux écrous. N'oubliez pas de remettre la petite fiche. On fera l'essai juste avant. Pour voir si le contacteur de frein à main fonctionne avant de remettre les caches. Voilà. C'est parti pour le serrage. Alors j'ai changé un peu l'angle de vue, si j'ai vu que sur le démontage c'était pas super joli à regarder. J'espère que ça ira mieux, que vous verrez mieux là. C'est pareil, j'aurais dû prendre une rallonge.
J'espère que vous prenez autant de plaisir à regarder mes vidéos que à moi à les créer. Moi qui en avais un peu, on va dire entre guillemets, ras-le-bol du métier, le fait d'avoir fait une chaîne et puis partager tout ça avec vous m'a redonné du courage et de l'envie, qui est très important quand on fait ce métier là. C'est quand on arrive à un moment où que on souffle rien qu'à ouvrir le capot, c'est qu'il y a un problème. Voilà, bon, pour l'habitacle c'est terminé, on se retrouve en dessous pour raccrocher les câbles. Alors c'est parti mon kiki. Donc n'oubliez pas là-haut, comme moi j'ai oublié de faire, c'est de débloquer, enfin desserrer le frein à main pour pouvoir avoir le plus de course possible et raccrocher nos petites boules. Bon, rien de compliqué pour les raccrocher, hein. Vous avez des petits orifices, vous rentrez le câble dedans et vous faites un petit levier et hop, c'est réglé. Voilà. Donc vous avez vu comment enclencher les deux petites boules. Donc il n'y a vraiment rien, vous avez vraiment l'emplacement pour le passer, vous le passez dedans, vous le reclipsez et puis c'est fait, c'est fait. Ouh, je récupère mon sou, c'est fait et c'est réglé. Donc on se retrouve au-dessus pour le serrage et le serrage du câble de frein à main, puis l'essai. Donc c'est parti pour le réglage. Donc nous allons voir ensemble comment retendre et régler le frein à main pour votre conduite de tous les jours et aussi pour le contrôle technique. Donc quand vous avez une faiblesse au niveau du frein à main et que vous voyez qu'il faut tirer un petit peu trop haut, bah vous, c'est ici qu'il faudra régler sur la Clio 2. En général, c'est toujours dans l'habitacle, sous la console de protection du frein à main, ou alors sous le véhicule, à l'aplomb du frein à main, bien sûr. Et quelques véhicules qui seront vraiment à l'arrière. Donc on serre le câble. Nous allons faire une première traction. Donc sachez qu'en règle générale, il faut compter entre 6 et 7 crans, c'est bien pour un frein à main. Donc je compte les crans. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, enfin voilà, on va déjà trop haut, donc on resserre. Voilà, j'ai mis un bon coup vu qu'on avait quand même pas mal desserré. Et sachez que si vous avez trop tendu, rien ne vous empêche de desserrer un petit peu. Hein, c'est vraiment pas... Voilà, hop, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va dire 10 en forçant. On commence à devenir bon. En forçant encore un petit peu. Donc sachez que si vous descendez et je veux dire vous voulez vraiment avoir un frein à main court et vous dites entre 3 et 4 crans, moi ça me va très bien, ben non, si vous risquez de mettre les plaquettes de frein arrière en léchage permanent, et ce fait que vous allez avoir un échauffement des freins. 1, 2, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 en forçant, encore un petit peu et c'est bon. En forçant, moi ça me va très bien. Donc je vais arrêter là. Donc tout ce que vous aurez à savoir pour régler le frein à main, c'est savoir compter tout simplement. Donc voilà, je remets le petit cache en plastique qui va bien. Je remettrai les deux petites vis après. Nous avons la protection, claque, rien de compliqué. Et les deux petites vis latérales. Bon, par contre, pour trouver le levier, j'ai vraiment galéré.
de fou. Voilà. Il ne me reste plus qu'à mettre l'eau de vis et c'est terminé. Donc je vous embête pas plus longtemps avec ça. Je mets la deuxième vis. Donc en ce qui concerne le remplacement du frein à main, c'est effectué. On se retrouve tout de suite pour le débriefing. Donc voilà, nous avons terminé la réparation de la Clio 2. Donc ici était un problème de. Le client nous avait dit qu'il n'y avait plus de frein à main. Donc après contrôle et diagnostic, on s'est aperçu que c'était le câble de levier de frein à main qui était cassé. Après bien de recherches sur internet et puis aussi chez le concessionnaire, je me suis aperçu que le câble n'était pas en remplacement. Donc on s'est débrouillé pour avoir un levier de câble de frein à main d'occasion parce que la valeur neuve n'était pas possible par rapport au véhicule. Donc nous avons vu aussi ensemble son remplacement, le contrôle, le réglage et le test final. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez des pouces. Pensez à lâcher des commentaires en dessous, ça me fait toujours plaisir. Et puis partagez les vidéos sur les autres supports et ça m'aidera beaucoup. Voilà, à très bientôt sur la chaîne.